Francis a eu l'idée de monter cela d'une manière très moderne, un peu à la Jean Villard quand il montait les grands classiques, pour montrer le modernisme de l'œuvre. Car cette pièce, écrite en 38, n'a pas pris une ride, on a l'impression qu'elle a été écrite le jour même. Donc, son idée, c'était un décor vraiment dépouillé pour concentrer l'attention du spectateur sur le texte, sur l'imaginaire du spectateur. Et comme Guitry est notre Molière moderne, la présence d'un buste de Molière dans le décor. Et puis, on peut dire que c'est un mot que j'aime bien, qui définit bien Francis Huster, il a des fulgurances. Tout d'un coup, il met le doigt sur une vision très juste et en peu de mots, il va vous indiquer la couleur du personnage. Alors après, libre à vous de faire votre travail. Ce qui s'est passé, comme il était en tournée, j'ai un petit peu repris en sous-main, je dirais, l'ensemble en restant fidèle à ce qu'il avait impulsé au départ. Il est venu voir un filage 2-3 jours avant qu'on commence. Une ou deux petites, un petit boulon ici à resserrer, mais il avait l'air très content de notre travail. Donc on est fiers de porter les couleurs de ce grand homme de théâtre. Et c'est vrai qu'on aurait aimé l'avoir un petit peu plus, mais pour l'instant, la troupe va très bien.